Salut, chers abonnés de la chaîne Royal Officiel Business. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, mais bien avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les amis, pour les nouveaux venus, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, partagez le lien de la chaîne à vos proches pour qu'ils puissent connaître vraiment cette chaîne et bénéficier des différentes astuces sur cette chaîne. Et juste en description de, cette vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram, donc vous pouvez me rejoindre là-bas et bénéficier des différents astuces et coupons sur cette chaîne. Et je tiens à vous informer une fois que nous arrivons à 1000 abonnés, nous allons commencer une grande montante de famille. Donc les amis, restez branchés et abonnez-vous au max pour que nous puissions arriver aux 1000 abonnés. Voilà, donc les amis, comme je vous l'ai dit, voilà, nous allons partir sur FIFA, sur Expo moins FIFA 21 Ligue des Champions. Voilà, donc en tout cas c'est une astuce pour moi qui marche bien. Je vais vous montrer comment, où la faille se trouve, et après ça je vais maintenant vous montrer les différents résultats pour vous montrer que vraiment c'est une astuce qui marche vraiment bien. Vrai, c'est pas de grosse cote, mais néanmoins c'est mieux que zéro. Voilà, donc les amis, nous allons maintenant partir sur eSport. Donc on clique ici. Une fois que nous cliquons ici, nous cliquons ici encore. Voilà, nous venons, nous cherchons FIFA. Voilà, nous prenons FIFA 21 Ligue des Champions. Voilà. Donc, voilà, l'astuce est très simple. Voilà. Ici, le match se joue dans 13 minutes, 33 minutes, 53 minutes, 13 minutes, 1h13 minutes. Voilà, donc les amis, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, nous allons prendre le match qui n'a pas encore débuté. Une fois que nous prenons ce match qui n'a pas encore débuté, après sur ce match là, ça se joue quand ils ont déjà joué pas moins de 15 minutes, 20 minutes. Voilà, 15 minutes, 20 minutes. Voilà, la faille que je vais vous montrer, excusez, se joue entre 15 et 20 minutes. Une fois que vous prenez un match qui n'a pas encore débuté, voilà, vous venez ici tout simplement, laissez la première mi-temps, vous prenez deuxième mi-temps et vous prenez le total de 0,5 buts en deuxième mi-temps. Voilà, l'option est très simple, c'est à dire en deuxième mi-temps il aura plus de 1 but. Bon, il aura 1 but. Voilà, donc si on dit 0,5 buts, c'est plus de 0, donc c'est 1, donc il aura 1 but. Voilà pourquoi je vous dis de prendre ce code. Bien vrai, c'est petit, mais c'est vraiment quelque chose qui rentre à coup sûr, les amis. Ça rentre à coup sûr. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous attendez, vous venez sur FIFA 21 Ligue des Champions. Une fois que vous venez là-dessus, vous prenez un match qui n'a pas encore commencé. Ça peut dépendre, vous pouvez prendre n'importe quel match, mais n'abusez pas, je vous le dis. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel match et vous pouvez aussi même fusionner si vous voulez. Là, ça vous donne peut-être une petite cote là-bas, mais à vous de voir. Donc, vous prenez n'importe quel match, ça là comme ça. Voilà, comme ça et ça, etc., etc. Donc, une fois que vous prenez, vous attendez à ce que le match débute jusqu'à 15 minutes. Une fois que le match débute jusqu'à 15 minutes, vous venez tranquillement en deuxième mi-temps. Il est bien dit, il est bien précisé en mi-temps. Vous prenez deuxième mi-temps, deuxième mi-temps. Dès que vous prenez l'option totale plus de 0,5 buts. Parce que ça rentre à coup sûr. Dans ces matchs, parce qu'il n'y a pas moins de 4 buts, 5 buts, il peut avoir 2 buts à la première mi-temps, comme 1 but à la deuxième mi-temps, etc., etc., etc. La preuve, je vous montre tout à l'heure cette preuve-là, que vraiment c'est une astuce qui marche vraiment. Voilà, bien voir, ce ne sont pas de grosses cotes, mais néanmoins, c'est des choses qui passent. Voilà, donc on va venir encore ici, on vient dans le résultat. Voilà, on vient dans le résultat, nous allons cliquer sur FIFA. Voilà, voilà, ici, FIFA. Voilà. Donc, les amis, ça, ce sont les résultats depuis les résultats de la dernière 24 heures. Voilà. Donc, vous voyez ça, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ici, vous voyez, ils ont fait 2-0. Deuxième mi-temps, ils ont fait 1. Ici, ils ont fait 3-2. Deuxième mi-temps, il y a eu pas moins de 3 buts. Donc, on peut dire que notre 0,1 a passé. Ici, ils ont fait 2-0. Deuxième mi-temps, ils ont marqué 2.
Donc le coup point est gagnant. Voilà. Ici, ils ont fait 3-0. Donc en deuxième mi-temps, ils ont marqué 2. Voilà. Encore ici, ils ont fait 3-2. En deuxième mi-temps, ils ont marqué 1. Ici encore, ils ont fait 1 nul-nul. Voilà. En deuxième mi-temps, ils ont marqué 1. Et ici encore, ils ont fait nul encore. En deuxième mi-temps, ils ont marqué 3. Ici encore, ils ont fait nul. En deuxième mi-temps, ils ont marqué 3. Et encore ici, ils ont fait nul. Et en deuxième mi-temps, ils ont marqué 3. Donc les amis, vous voulez, la liste est vraiment longue. Vraiment longue, vraiment longue. Si vous voulez, vous pouvez voir vous-même. La liste est vraiment longue. Donc les amis, en tout cas, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Donc, je peux vous donner aussi une petite astuce auquel vous pouvez faire au moins ça, deux fois dans la journée. Voilà, vous pouvez venir comme ça, tout simplement, venir sur FIFA. FIFA 21, vous pouvez faire vos coupons avec, tu viens, tu attends les 15 premières minutes, hein, c'est cool, tu viens, tu ajoutes à ton coupon de Paris, voilà, voilà, tu viens encore, tu peux venir prendre ce deuxième match là, tu prends deuxième mi-temps, tu ajoutes à ton coupon de Paris, voilà, ça nous fait un code de 1-16, on prend un dernier match, on peut prendre ça par exemple. Voilà, et nous ajoutons dans nos coupons de Paris. Voilà, ça nous fait un code de 1,21. Tu peux mettre ta mise, mon gars. T'inquiète pas, ça rentre. C'est sûr à 100%. Voilà, c'est sûr, pas à 100%, mais 99,9%. Puisque ça reste un jeu hasard. Et c'est quelque chose de programmé. Si tu as fait ça une fois et que tu as fait ça deux fois que tu as gagné, tu stops pour la journée d'aujourd'hui. Tu attends encore demain. Et si tu veux, mais tu laisses la journée demain, le lendemain, tu le fais. Parce que c'est quelque chose, ce sont des matchs qui sont programmés. Voilà, ce ne sont pas des matchs comme nos joueurs sont sur le terrain. Ça, ce sont des jeux virtuels. Voilà, donc vraiment, ce sont des trucs programmés. Si on voit que vraiment tu insistes, sur cette faille, il peut changer les données et tu vas perdre. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, donc les amis, c'était vraiment la chose que je voulais vous partager. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si vraiment vous avez aimé la vidéo. Et rejoignez-moi juste en description de cette vidéo. Il y a le lien de mon groupe Telegram, rejoins-moi sur mon Telegram pour vraiment bénéficier des coupons et des montants qui débuteront bientôt. Donc prenez soin de vous. C'était votre serviteur dans l'officiel business. On se retrouve prochainement pour une nouvelle bombe. Ciao les gars.